On parle aujourd'hui avec des marins de la marine marchande. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on travaille sur un bateau? Entre les secousses du bateau, entre les esprits de l'eau, oui, parce que c'est un autre monde, entre les requins, les baleines, bref, à tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Lourd, ils sont chauds, oui, allez. Allez. La Amadja Lopé. Waouh. Ah oui, c'est alors là. Vous avez des couleurs de ce qui va se passer aujourd'hui dans cette émission. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro en question. Ça, c'est un numéro, je sais, qui sera trop bien parce que c'est la première fois en 4 saisons qu'on parle avec des marins. On parle avec des personnes qui sont sur l'eau, qui voient les esprits de Mami Wata, qui voient ce qui c'est. Ah, mais c'est ça, oh! Qui voient les sirènes d'eau et tout. Et on va en parler. N'oubliez pas, vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et c'est les femmes d'ici tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. L'émission la plus suivie du monde. Oui, on l'assume. L'émission de Kadi Touré, de Yasmine Reda, d'Aurélie Eliam et de DJ Soro. L'émission qui vous soigne. Comment allez-vous, les filles? Wow. On ne veut même pas perdre le temps. On va rentrer, moi, il n'y a pas parlé. Ah bon, hein? On va juste chanter un peu, puis ils vont danser, puis ils vont rentrer. Allez, les messieurs, levez-vous, on va danser. Amadja Lopé, Amadja Lopé, Amadja Lopé, Amadja Lopé, Chéri Coco, Amadja Lopé. Faites en face, 1, 2, Adikata, Kishka, Adikata, Kishka, le tonton là-bas, Kishka. À lui, hey, c'est Emidja, hey, c'est Emidja, mon pèng, 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 allez, mon pèng, 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 laissez chez moi, oh. Allez les filles, j'ai des reins. Allez, matelot. Wow. Okay. Bravo. Vraiment, là, j'aime ça. J'aime les invités comme ça. Comme ouais. Ça donne la fraîcheur. La meilleure invitée depuis qu'on est ici. Ça, c'est franchement. Alors, très chers invités, quand vous venez sur le plateau des femmes d'ici, c'est comme ça que vous devez vous comprendre. Vraiment, voilà. En tout cas, échauffez-vous. Voilà. Alors, nous avons Sosou Oscar, oui, qui est cuisinier. Chef cuisinier, chef cuisinier dans la marine marchande. Ouais. Donc dans les bateaux, c'est toi qui cuisines pendant tout votre voyage. Ah, c'est bien, tu sais bien faire la cuisine. Hein. On se débrouille pas. Super. Ensuite, Armand Kouao est cuisinier. Second chef. Second chef cuisinier sur les bateaux, pareillement. Très bien. Ensuite, Marcel Badjo qui est matelot. Matelot. Matelot navigue sur les flots. Oh yeah, matelot. Matelot navigue sur les flots. Merci. Ah, mais, là, en fait, j'ai jamais rencontré de matelot dans ma vie. Moi aussi. Matelot? Oui, de matelot. En fait, on entend quand dans les chansons, dans les rôles, mais on n'a jamais vu de matelot. Ah ouais, sinon les matelots, bon. C'est vrai aussi ce que vous dites, parce que nous sommes très souvent, si tu vas au port, c'est là que tu peux entendre parler de matelot. Est-ce que c'est un grade ou c'est quoi? Au fait, je pense que c'est un grade. C'est un grade et c'est une fonction. Voilà. En fait. Ah, c'est une fonction. La fonction du matelot, c'est quoi la fonction? La fonction du le matelot, c'est lui qui amarre le navire lorsqu'on arrive à quai. Voilà, qui envoie les lance-amarres pour qu'on puisse amarrer le bateau. Amarrer le bateau, donc faut pas trop. Faut bien nous parler. Voilà. Attacher le bateau, quoi. Okay, voilà. Attaquer, quoi. Ah, voilà. Okay. Maintenant, pour les manœuvres, genre comme ranger,
comment dirais-je, le matériel de travail, mm-hmm. pour ranger, pour faire les vivres et autres. Mm-hmm. Voilà. La nourriture, quoi, si, les tabali, là, mm-hmm. pour faire monter ça. Voilà. Ça, c'est qui fait ça? C'est le matériau aussi. Le matériau, voilà. Nous, okay. on apporte. Au fait, c'est comme si nous sommes les lacroux un peu, quoi. Ah, non, vous êtes le soutien de. Voilà, vous êtes le voilà. soutien. Des graisseurs. Okay. Des, comment dirais-je? Ah, mais et c'est un poste stratégique parce que vous voyez tout. Tout. Mais oui. Vous entendez tout. Tout et on entre partout, quoi. Et vous rentrez partout. Ah, ah yeah. Elle passe partout, d'accord. Ouais. Mais et vous, donc, en tant que cuisinier, c'est vraiment juste. Faire la cuisine quand il y a des voyages. Oui, oui, mais j'aimerais intervenir un peu, papa. Oui. Sur le matelot. Le matelot aussi. Oui. Parce que dans le bateau, il y a trois fonctions. OK. Mm-hmm. Il y a côté matelot, côté graisseur et la côté cuisinier. Graisseur, c'est quoi? Graisseur, c'est comme aide-mécanicien. Ah, du bateau, voilà, c'est... Voilà, mais malheureusement, il n'y a pas de graisseur parmi nous. D'accord, ouais. OK. Aide-mécanicien. Et ils sont en bas mm-hmm. avec les chefs mécaniciens. Ah. D'accord. Voilà. Mais pour maintenant, ça... côté matelot, mm-hmm. côté matelot, c'est, disons, c'est eux qui nous fait pêcher. Ah, OK. Ouais, voilà. C'est parce qu'eux, c'est le matin à 5h30. Mm-hmm. Ils vont sur leur position. Ils sont jumelles. Mm-hmm. C'est comme des radars. Mm-hmm. Et ils cherchent les poissons. Ah bon? Ouais, voilà. OK. Voilà, ça, c'est côté matelot. Mm-hmm. Au fait, ça, après, on va un peu revenir voilà. là-dessus. Comment? Mm. Parce que... Je vais intervenir un peu, papa. Voilà. C'est que... Ah, d'accord. Ça fait combien d'années que vous faites ça? Bon, chacun de mm-hmm. nous a... Oui, individuel. Voilà, moi, Marcel, c'est depuis 2020. Voilà. D'accord. C'est en 2020 que je suis allé pendant le COVID-19, dont nous, on nous appelle les marins du COVID-19. C'est les marins d'accord. du COVID. Ah. Voilà, c'est grâce au... Non, je suis là-bas depuis 2010. Ah, okay. Donc, et toi? Moi, depuis 2014. Ah ouais, carrément. Ah non, c'est le plus jeune. Ouais, le plus jeune. Le plus jeune. En tant qu'Africain, c'est vrai qu'en Afrique, il y a certaines cultures qui ont vraiment peur de l'eau. C'est pas comme les Apollos chez nous en Côte d'Ivoire, où vraiment nous, c'est vraiment l'eau. Si. Ça ne vous a jamais fait peur d'aller en mer, en pleine mer, avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on entend, comme mythes et légendes? OK. Dans les premiers temps, vraiment, c'était difficile, parce que je n'avais jamais navigué. Et j'ai commencé, excusez-moi, à la petite pêche, ouais. là où je ne connaissais rien. Et il y avait là-bas le mal des mers, que je ne savais même pas que ça existait. Ça existait. J'arrive, le premier coup de filet, parce que ce jour-là, je pense qu'on a marché un peu longtemps, tourné, le fait de chercher un peu le poisson, tout et tout. Et lorsqu'on a eu, nous sommes tombés sur une bonne matte là, lorsqu'on a lagué, et puis après on a commencé à prendre le poisson là. Ouais. Ouais. Oh, c'est gâté sur moi. Comment ça? J'ai commencé à vomir. Aïe! Vomir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est dans quoi ils m'ont mis là même? J'ai commencé à vomir. Ils regardent les gars, mais eux, ils marchent tranquille, quoi. Ouais. Mais je faisais les quatre pattes là même dans le bateau. J'avais le vertige, tout ça. Oui, le vertige, tout et tout. Parce que quand le bateau balance comme ouais, ça, c'est ça, ça va le pas. Corps, ouais. T'as l'estomac qui balance aussi. Oui. Avant d'aller justement sur ce qui se passe dans le bateau, oui. moi, j'ai besoin d'avoir des informations. Uh-huh. Est-ce que les trois fonctions du bateau, enfin, les trois fonctions que vous avez citées tout à l'heure, graisseur, matelot et chef cuisinier, oui. vous faites des formations à la marine marchande avant d'aller là-bas? Oui. C'est une école, la marine c'est marchande. Une école, la marine. Donc, vous sortez tous de la même école ou ouais. non? Bon, j'explique. Mm-hmm. À la marine marchande, il mm-hmm. y a certains qui n'ont pas fait de longues études. Ouais. Mm-hmm. Ils vont juste en formation pour avoir des certificats. C'est ça. Et du côté des thoniers, on a besoin de deux certificats. Mm-hmm. D'accord. Tu as besoin du brevet de matelot okay. et du certificat de... Grèce. De formation, comment on appelle c'est pas qualifiante grave. Pour... Manipulation. Pour ouais. t'imprégner de ce qui se passe comment on appelle C'est pas grave. Au moins, tu as besoin de deux voilà. diplômes. Deux certificats. Deux certificats. Voilà. D'accord. Et après ça, après ces certificats, cette formation-là, tu as accès au navire de pêche. Tu as accès au navire de pêche. Mais le navire, ça appartient à qui? Qui vous dit de partir sur les navires? Bon, les navires appartiennent à des particuliers ou des... Ou l'État? Des entreprises ouais, des particuliers. Européennes, asiatiques. Okay. Et nous sommes des marins qui appartenons à des agences... Des structures privées, okay. quoi. Ouais, ouais. À des structures privées, c'est qui nous placent. D'accord. Sur les navires. On vous place sur les navires. Très bien. Maintenant, on peut aller dans les histoires, maintenant. Maintenant, moi, je vais... Ouais. C'est un accident de parole. Je t'ai dit. Non, mais si la vieille m'a posé question. Avant d'aller, est-ce qu'il y a des femmes
Est-ce qu'il y a, autant de femmes que d'hommes ou bien c'est masculin? C'est, disons, avant, c'était typique aux hommes. C'était difficile aux femmes d'être dans un milieu où vous êtes tous remplis de garçons. Parce que là, vous êtes convoités, vous êtes exposés à plusieurs choses. Mm-hmm. Des personnes qui volent vos... Tout ça pour des situations bizarres, pour amener la pêche, tout ça. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, au départ, c'était difficile. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, on voit des femmes qui sont dans la pêche. On a suivi des navires où il y a des femmes. Qui sont matelots et des femmes qui sont chefs mécaniciens. D'accord. Je veux demander au monsieur, si vous permettez, vous pêchez quoi, finalement? Vous êtes là, c'est quoi le but d'aller en mer? C'est ça. Mais c'est pas un pêcher de thon. Thon? Le thon. Thon de gamba, là. Thon de gamba. Attends, vous passez tout ce voyage pour aller prendre du thon? Oui, du thon. C'est du thon. On a... J'explique un peu. Oui, vas-y. On a des trucs qu'on appelle des bouées. C'est comme des pièges. Des pièges, on fait ça sous l'eau. Donc, les matelots, ils ont des jumelles qui regardent. Il y en a qui peuvent au moins 1000 mètres. S'il y en a ici, le commandant, j'ai vu un bouée qui fait au moins 1000 mètres. Et le commandant regarde son appareil. S'il y en a, il dit s'il n'y en a pas, on passe. Mais s'il y en a, il dit oui, il y en a, on va avec. Il part au moins 40 tonnes, soit même 200 tonnes, 300 tonnes. Parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire est le premier port tonnier d'Afrique. Voilà. Si, si. Donc, c'est vous, en fait, qui êtes Alors, maintenant, quand nous, les acteurs. Voilà, quand on pêche, bon, il y a les bananes. Que dedans, il y a les bananes, il y a les caméléons, mais nous, on prend... Il y a poisson qui s'appelle banane. Commune, un peu partout, c'est poisson banane. D'accord, Aurélie. Alors, vous dites marine marchande. Ouais. Mais est-ce que c'est seulement que les poissons, la marine marchande? Est-ce que ce n'est pas aussi les bateaux qui vont, par exemple, en Chine ramener des conteneurs et tout ça? Non. Ça englobe quoi, marine marchande, clairement? La marine marchande, c'est une filière vraiment très vaste. D'accord. Voilà. Dans la marine marchande, tu as les conteneurs... Oui. Tu as les offshore, les bateaux de pétroliers, les bateaux remorqueurs. Tout ce qui est commerce, C'est ça, c'est la marchandise. Mais pêche industrielle. Nous, notre spécialité, c'est la pêche industrielle. D'accord. La pêche de thon. Pêche de thon. Hey, à cause de moi, je garde la garantie. Vous allez en mer combien de temps? Vous restez en mer combien de temps? Ça dépend des navires. Par contre, nous, la compagnie dans laquelle nous, on travaille, on fait 2 mois, 10 jours. En mer? 2 mois, 10 jours. Et vous? Nous, on fait 1 mois. 1 mois, 1 semaine, puis on revient. Non, mais le temps de travail, c'est le temps de travail. C'est ça. Sur l'eau, là. Sur l'eau, nous, c'est 70 semaines. Et eux, c'est 56 jours. Ça, c'est pour le chef. Ah, oui. Parce que lui, il est officier. Ouais. Voilà. Pour nous, les matelots, nous, on fait 4 mois, 20 jours. Waouh! Wow. Vous êtes 4 mois loin de vos familles. Oui, moi, je fais 4 mois, 20 jours. Voilà, parce que moi, je suis second maître. Oui. Donc, on n'a pas... Vos escales, là, c'est où? Vous faites les escales, si bon, vous... Bon, ici, nous, on ne navigue pas en Côte d'Ivoire, ici. Okay. On navigue, dans l'océan Indien. Wow! Indien, okay. Aux Seychelles, Maurice, La Réunion... À Madagascar. Ça doit être sympa, comment ça se dit? Parlons Seychelles, on menace nos gars, nous avons Seychelles. Regarde, l'homme qui a la tête est touché Seychelles. Donc vous partez aux Seychelles sur le bateau sans visa? Non, on ne prend pas le bateau ici pour partir. On prend nos vols ici. Ah. Oui, ça dépend. Hein. Okay. Oh. On prend le vol ici, soit on passe par le Qatar, souvent par Dubaï, et après, maintenant, on descend aux Seychelles. Et quand vous arrivez là-bas, il y a votre agence, il y a un bateau qui vous attend là-bas? Arrivé à l'aéroport, on nous prend, et l'agence vient nous chercher. Et nous, on n'a pas forcément... On est un peu différent, parce que c'est un autre corps de métier, et on n'a pas tendance à attendre les visas pour... aller sur dans les pays. Voilà. Mais les gens vont toujours vouloir devenir. Oui, allons-y. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, excusez-moi, qui est parti à vous, il allait faire formation pour avoir son certificat. Et puis la calée. Oui, d'aller faire beau ça, là. En même temps, il a calé là-bas, hein. Il y a ça dedans. Ça arrive. Il y en a. Ah bon? Oui, il y en a. Il y a deux cas où il y avait Covid, là. On passait par Paris.
Parce qu'on te donne, le visa les 7 mois. Il y a deux qui ont gagné. Ça doit être ultra sécurisé maintenant, avec les problèmes d'immigration, les personnes clandestines. Mais... comment ça se fait le contrôle de ces personnes qui montent sur le bateau? Parce que tu es marin, tu as ça, arrivé à Paris, bateau, on ne te fatigue pas. C'est donc, ça, en fait. Tu peux sortir comme tu veux. Yeah. Yeah. Sur le bateau, arrivé, dès qu'on arrive à destination, si c'est aux Seychelles, oui. Pour nous, il n'y a plus de... Parce qu'aux Seychelles, on sait déjà que quand, on te voit comme ça, là, ils savent... T'as même ton visa. Ah, ils savent que déjà, celui-là, il n'est pas d'ici. Attends, avant que tu ne montes pas, on va mettre la pub un peu. Okay. Mais c'est qui arrive là? La pub ne ment jamais. On va la pub, on revient. Voilà. Femmes d'ici, avec Sosou Oscar, Armand Kouao et Marcel Badjo, qu'on va applaudir. Il faut vous continuer une petite danse, levez-vous les trois. Un, deux, trois. Allez, tapis, vélo, vélo. À tapis, vélo, vélo. Allez, tapis, vélo, vélo. Je crois que c'est un moment d'appuyer là. Ne dis pas tapis. On sent que tu ne sais pas faire tapis. Moi, je vais faire ma carte. Lui va. Donc, là-bas, là, c'est versé. Waouh. Moi, je suis au Seychelles. Là-bas, là, pour gagner, c'est difficile. Mais donc en fait, ça dit que vous les hommes, vous avez des solutions et vous fatiguez souvent les femmes. Vraiment. Vous venez d'apprendre la bicyclette ici, ou bien la bicyclette là. Donc le jour que la femme est occupée, ou elle vient d'accoucher, mais voilà la bicyclette. On dit il y a ralenti, il y a accélérateur, il y a tout. Arrêtez-moi ça. Il y a son montée, son descente, tout. Alors, tout avant ça. De partir à la pub, tu as dit que tu ne vas pas nous mentir. Ouais. Voilà. Et on aime ça, les invités sincères et francs. Ouais. C'est pour ça qu'on t'aime. Ok, merci beaucoup. Vas-y. Ouais. Bon, à vrai dire, comme je le disais, je ne peux pas mentir. Depuis que moi, j'ai commencé à aller au CCR depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore pris ni copie, ni rien, rien. Même pas une... Est-ce que c'est difficile? Ouais. Bon, au fait, les filles de là-bas, je pense qu'elles sont difficiles. Ça, c'est un d'abord. Et puis, je me suis mis quelque chose en tête. Dans les premiers temps, quand je faisais, comme je disais, là, donc ça me donne... L'esprit n'allait plus là-bas. Voilà, bon. C'est après que, quand j'ai commencé à aller un peu à l'église... Ah, d'accord. On n'a pas tout dit. L'esprit ne valait pas. Est-ce que tu ne rêvais pas surtout des femmes, des jolies femmes à pousser? Si. Passer les esprits. Ça même, ça, c'est ce qui me fatiguait. Au fait, après mon premier voyage, deuxième voyage, ça a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Quand je dors dans mon sommeil, je sens que je suis avec une vraie mousseau, avec un crapaud possible. Dans le rêve. Devant comme ça doit être peut-être un esprit des eaux. Ah, mais on est sur l'eau. Donc, si ils nous envoient leur mousseau, on va faire comment? On va faire si ils nous envoient leur mousseau, peut-être que ça ne pourrait pas qu'on prenne cette date-là et nous envoie leur mousseau. Mais vous avez parlé de... pour attirer la pêche. Comment ça se passe? Bon, souvent on est confronté à... Tu vois, il y a un esprit qu'on a sur les navires, les tonniers en particulier. Et puis les tonniers sont baptisés en fait par des femmes. Les tonniers sont baptisés par des femmes. Comment baptiser? Comment ça? Bon, quand le navire est construit, oui. Et on a tendance à entendre que c'est une femme vierge qui se promène dans tous les compartiments du navire. Ah. Et déjà, on montre le côté spirituel de la chose. Le navire, en général, c'est... Les tonniers sont remplis vraiment d'esprit. Donc, le fait que les filles vierges baptisent les tonniers généralement, donc on sait qu'il y a un esprit d'eau et de femme quelque part. Donc, quand on prend le femme, ça attire les poissons. D'autres mettent ça, tu as dit, sur leur rein, comme une corde, comme une ceinture. Comme une ceinture. Voilà la pêche. Voilà comment ça se passe. Voilà, s'il te plaît. La ceinture est là, comme ça. Ou bien voilà, tu prends le caleçon. Tu fais passer. La petite corde-là, voilà, tu fais passer, tu tires. Tu tires. Là, ça passe, tu tires le pantalon. Ça glisse comme ça. Là, comme ça, ça fait... C'est comme petite écharpe face. Voilà, tu as fait un d'abord. Tu attaques deuxième, tu mets encore, tu fais passer la corde. Mais est-ce que ça...
Est-ce que, ça, est-ce que de votre expérience, ça a attiré vraiment des poissons? C'est ça. Juste, parce que tout à l'heure, Kadi, je ne te coupe pas, mais il a dit, vous, avez fait, vous faites venir une vierge pour baptiser. Oui. Mais par contre, tu as dit que vous avez souvent, ça, les, je dis, pour avoir beaucoup plus de chance, il faut un prostituée. Ouais. Non, alors la vierge, c'est au passé. On disait ça, que c'est pour le baptême, ça, c'est avant, du voilà, le baptême. Ça, c'est pas eux qui le font. Ouais. On disait que quand un bateau est construit par des personnes ailleurs, ils le font là-bas. C'est donc c'est pour, ça, c'est pour retracer l'histoire, pour parler de l'esprit derrière. En fait, mais aujourd'hui, quel est le rapport entre le la prostituée et le poisson qui vient? Les poissons sont attirés par l'odeur du caleçon ou bien non, bien bon, en fait, vas-y. Cet esprit d'eau là. Va avec tout ce qui va avec dépravation. Genre mamie ou ta façon. Voilà. Et ça adore ça, en fait. Tout ce qui est dépravation sexuelle. Voilà. C'est ce qui fait aujourd'hui, là. Excuse-moi, non, chef. Attends, je termine. Et aujourd'hui, quand tu vas sur un navire, tu vois des personnes, pas forcément nous, mais il y a des personnes qui ont tendance à prendre des qui viennent accrocher sur des navires pour avoir la chance. Pour que l'esprit des eaux soit avec eux, en quelque sorte. Wow. Donc, poisson, la pêche. Mange là, poisson. Franchement, je voulais... Non, mais voilà. Je voulais revenir un peu sur ce que le chef a dit. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais à l'église, parce que quand c'est comme ça, ton agent, soit c'est femme, ou la boisson, en fait... Ça te perturbe. Voilà, c'est... Sur l'eau, c'est un autre monde. Ouais. C'est un autre, carrément un autre monde. Waouh. Ouais, c'est parce que nous sommes là-bas que nous parlons de ça. C'est un vous gagnez bien votre vie, quand même? Ouais, oui, oui. Notre vie. En tout cas, ça nourrit son homme, c'est très, très tranquille. Alors, j'ai bien envie d'entendre Kwao. Justement, Kwao, j'aimerais te demander, ça fait combien d'années? Depuis 2010? 2014, donc ça fait super longtemps quand même que tu es là-bas. Qu'est-ce que tu as remarqué de spirituel, de mystique? Est-ce que tu as vécu des expériences paranormales là-bas, des trucs vraiment... Bon, moi, j'ai vu que ça va. Moi, je trouve que ça va. Bon, souvent, quand on travaille entre nous, nous sommes en Afrique. Hein. Souvent, c'est bon. On parlait là-bas, il y a d'autres qui s'aiment, il y a d'autres qui ne t'aiment pas. Ah ouais, ça, c'est sûr. Voilà. Mais ce que m'a plu, ce que j'ai aimé là-bas, souvent, quand on voit qu'on débarque à Madagascar, en tout cas, moi, j'ai aimé. Pourquoi tu as aimé Madagascar? Et justement, on salue Rajolina, le président de Madagascar. Rajolina. Madagascar. Tu connais pas le président de Madagascar? Toi, tu dois avoir que je ne connais pas le président de Madagascar. Non. Tu vas pas là-bas. Madagascar est un peu différent des Seychelles. Oui, il y a quoi à Madagascar là-bas? Madagascar, ils sont accueillants. Ils sont accueillants. Ils sont gentils. Oui. Non, en tout cas, ils sont ouverts. Ah ouais, c'est vrai. Parce que nous, on aime beaucoup Madagascar. Voilà, j'ai tout invité. Qui va pas aimer Madagascar? Mais parce que vous dormez à combien dans les bateaux? Bateaux, ça dépend. Toi, tu dors avec combien de personnes? Ça dépend des bateaux. Ça dépend de la grandeur du bateau. Les gars dorment 4-4. Ouais, chacun a son lit. Il y a les bateaux. Nous, chez nous, comme ça, nous sommes deux. OK. Voilà, nous sommes deux. Si mon chef est là, je dors en haut. Ah, c'est des lits superposés. Mais si mon chef n'est pas, si mon chef descend, moi je dors en bas, mon aide est en haut. Il y a la douche, il y a le frigo, il y a notre salle à manger, il y a tout là-bas. Et vous aussi, c'est comme ça d'être Bon, chez nous, c'est, je peux dire, avant les anciennes constructions, c'était les 4 personnes dans les navires, dans les cabines. Des cabines. Mais aujourd'hui, tu as pratiquement 2 personnes sur les nouveaux navires, parce que c'est des grands navires. Okay. Mais pour nous, c'est en tant que cadre du navire, on est seul. Mais toi, quoi, matelot, toi, c'est gâté ou non, ils ont bien fait quoi même au fait, même un voisin bizarre, dis-moi. Ouais, un voisin, hop, là-bas, là, on fait tout, hein. Tout se passe. Comment ça? Ouais, parce que là-bas, nous sommes, moi, de mon côté, nous sommes 2 par cabine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà. Une fois, je me rappelle bien que je dormais, comment dire, en haut. Ouais. Et mon voisin, parce que c'est moi qui suis le trouver. Voilà. Quand tu viens trouver... comment dirais-je? Un ancien. Mmh. Toi, tu restes en haut. Mmh. Ouais, l'ancien reste en bas. Mmh. Okay. Et là, la nuit, là, c'était pas bon. Pourquoi? Parce qu'il envoyait des missiles pas possibles. Des flatulences. Il envoyait quoi? Les fax. Nous, on appelait ça les fax. Parce que t'as fait ça, quand ça vient, ça fait... Et là, mon rideau, là... Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai tout fait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Élément. Il dit, laisse. En plus, maintenant, tu es arrivé au bien. Ça monte en fait, ça descend. Il dit, c'est maintenant que tu es arrivé au bien. C'est ton bon arrivé.
Mais moi, je vais aborder un peu le mauvais temps. On sait que la mère, souvent, est très agitée. Ouais. Comment vous faites? Comment vous arrivez à gérer ça? En cuisine, j'imagine que ça doit être aussi compliqué. Ouais. Même pour les personnes. Est-ce que l'eau rentre dans les navires? Comment ça se passe? Bon, quand on arrive dans le mauvais temps, il commence à partir du mois de mai, juin, juillet, août. Les houles là deviennent encore plus plus grandes. C'est quoi les houles? La houle, c'est les vagues et les mouvements de l'eau. Et quand c'est comme ça, nous qui sommes sur le pont, on souffre beaucoup. Ouais. Voilà, on souffre beaucoup parce que nous on va aux jumelles. Il y a les escaliers. Voilà l'escalier qui va jusqu'à il y a le nid de pie comme ça. Là-bas, il est un peu... Oh, il y a un point comme dans Titanic, là. Non, lui, il est long. Il est un peu comme... comment je vais appeler un pirate, une antenne. C'est comme une antenne. Voilà, comme une antenne, là. OK. Voilà. Donc, quitter en bas jusque là, ça peut faire au moins 20 à 25 mètres. Hein, 6 mètres. Wow. Donc, si ça fait comme ça, voilà, ça bouge. Donc, tu vois que quand on va au sud comme ça, là, et que le bateau cogne la vague, là, tu vois, ça remonte comme ça avec fétiche. Wow. Mais est-ce qu'il y a des gens qui tombent par-dessus? C'est non, déjà non, arrivé? Moi, c'est sécurisé. Apparemment, je n'ai jamais comment vous faites pour vous sécuriser de tout ça, même pour manger, pour boire? Parce que bon, si ça dandine, tout va... Je crois que lui, il a vécu une expérience. Tout va tomber. J'ai même vu des photos. Mais comment vous vous sécurisez de tout ça? Au début, quand on arrive, il y a le commandant qui vient nous appeler. On fait un essai. Ouais. Les gilets qu'on porte. OK. Voilà, on fait un essai pour voir... De sécurité. D'accord. Voir qu'on peut tenir. OK. Et puis, bon, à nous aller. D'accord. Mais, voilà. Mais en cuisine et tout, comment ça se passe? En cuisine, bon, nous avons des fers. Okay. Qu'on prend pour attraper les mammites. D'accord. Voilà, là, ça fait rien. Là, quand le bateau bouge, c'est une obligation de savoir nager. C'est comme hôtesse de l'air obligé. Pour savoir nager, ce n'est pas une obligation. Ah. OK. Dans la navigation, il faut savoir être en sécurité. Parce que tu peux savoir nager, et vu que tu es en haute mer... Oui, c'est pas pareil. Même si ça va... C'est à rien. On fait des suivis en navigation. Il faut apprendre à suivre avec un gilet de sauvetage. Et ça sert à rien de savoir nager si tu ne peux pas arriver à... Alors, vous, en tant que cuisinier, qu'est-ce que vous cuisinez sur les bateaux? C'est quoi vos les plats que vous faites? Bon, en tant que cuisinier, moi, chez moi, on fait la cuisine européenne, asiatique, espagnole, africaine. D'accord, et ça. Bon, vu que côté africain, on n'a pas tout le temps les ingrédients d'Afrique. Ouais. Et on ramène nous-mêmes les ingrédients d'Afrique. Et tu nourris combien de personnes sur le bateau pour un voyage comme Chez nous, c'est 40 à 41 personnes. Et c'est quoi? C'est petit déjeuner, déjeuner, dîner? Voilà. Oui, compris. Et toi, tu fais quoi? On a des images même de vos plats. Vous mangez un cochon d'un bateau là. On dirait des Gabriel. Vous prenez quand même beaucoup de nourriture. Hein. Ouais, pour nous, les Africains sont 16. Les Africains sont 16 et les autres. Les Européens sont. Regarde comment vous cuisinez bien. Ça là. Les Européens sont 11. Ok. Ah d'accord. Okay. Maintenant il y a Atiéké, Plakali. Non, Atiéké, Plakali, c'est lui où on va avec. Mais souvent on va avec le manioc. Et puis, j'ai fait le placard là-bas. Ah. Sinon, tu fais le placard toi-même? Chaque fois que j'embarque là, ma valise... Maintenant, il y a deux qui vont aller Gary, Akoumé, les Dokon, tout, voilà. Maintenant, comment moi, je sais que les Africains, il y a sauce qu'ils aiment, je fais les sauces. Et puis maintenant, j'ai fait les repas européens. Est-ce que ça arrive d'être en pénurie de nourriture en plein milieu de la mer comme ça? Oui, ça arrive. Vous prenez assez... Ça arrive. Comment vous faites pour survivre? Et quand ça arrive comme ça, moi, j'ai tendance à appeler le capitaine pour lui faire savoir que là, on est en pénurie, peut-être en eau, parce qu'on ne consomme pas l'eau de l'eau minérale. Et mon capitaine, on a une pénurie d'eau et une pénurie de légumes, tout ça, et on a des conserves. D'accord. Ah, vous avez des conserves, Je me souviens même qu'il y avait un jour... nous étions en plein large vers l'Inde là-bas. Ah ouais, c'est loin. Ouais, et on a trouvé le groupe d'Inde qui fait une petite pêche, mais ça nous allait mourir. Ah bon? Comment ça? Waouh. Les navires est gâté, le vorin est gâté, ils n'ont rien à manger. Eux, sur nous, ils ne sont pas les aider. Wow. Et nos chefs mécaniciens ont réparé les navires,
en dehors du gasoil et manger et ils sont partis. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui font juste de la petite pêche et ils s'aventurent à aller comme ça loin. Ouais, au là. Au large. Ils vont au large. Même ici, il y a des piroguiers. Là. Oui. Ouais. Même, je crois, même, il y avait notre... Alors, laisse-l'en terminer. Uh-huh. On les appelle un peu les Wacha ou quoi. Ouais. OK. Ah, nos frères gagnés. Ouais. Voilà. Moi, je suis... Tu as gagné? Oui. Une qui sait? Moi, je suis... Boko. Ah. Voilà. D'accord, OK. Oui. Donc, on va un peu plus au large, là. Uh-huh. Alors, ils vont au large. Uh-huh. Et arrivés là-bas, souvent, ils n'y réussissent. Je ne retrouve plus, comment dire... Le chemin du retour. Oui, c'est difficile, parce que l'eau, là, franchement, voilà, c'est vaste. Et ça devient compliqué. Ah, j'imagine. Voilà, donc imaginez-vous, si on ne croise pas de gros bateaux, soit d'un autre bateau, comme ça. Même mon frère venait de dire, là, comme Kwao venait de soigner, même récemment, là, avant mon avant-dernier voyage, on a croisé aussi, comment dire, les bateaux, comment on les appelle déjà, même? Les palandriers. Palandriers. C'est quoi? Ils pêchent avec la mousson. Qui avait totalement, qui était noyé, même le bateau était carrément noyé. C'est pas vrai. Parce que eux, c'est fait, tout est fait en bois. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais le bateau était noyé. Et arrive aux jumelles, je vois que vraiment. Que c'est. Et vous avez pu les aider. Très bien, on va marquer là. Non, il n'y avait plus personne. Ah, il n'y avait plus personne, ils sont noyés. On sait pas. Non, bon. Quand nous sommes arrivés, c'est ce qui était. D'accord, alors on va marquer la pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À mon chef, il ne mettait pas la bicyclette. Tu as raison, je comprends. Aïe, il n'est pas fort quoi. Bah, lui, alors, peut-être à un ton 3 mouvements. Un ton 3 mouvements. Un des députés les plus chauds de, bien, de cette saison. Alors, Soso, Oscar, Armand, Kwao et Marcel Badiou sont avec nous. On parle de la marine marchande. Ouais. Alors, je sais aussi que souvent, vous avez un problème où vous avez un bateau qui a pris feu. Oui. C'était toi? Oui. D'accord, on a même une image. Ouais. En pleine mer, c'est comme le Titanic. Ouais. Ah, le Titanic, lui, il a coulé, il n'a pas pris feu. Il a coulé. Il a pris feu, il a coulé trois jours après. Celui-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a eu, dans le temps, une incompréhension, je peux dire, pour ne pas divulguer certaines choses. Parce c'est que ça. C'est écrit. Voilà. Et aux environs de 20 heures, il y a le graisseur de car qui n'était pas à son poste et... Le navire a commencé à prendre feu au niveau du moteur parce qu'il y a du gasoil qui était versé sur le moteur et ça a commencé à prendre feu. Et comme il n'était pas présent à son poste, il était au réfectoire. Quelques minutes après, quand il essayait d'aller à son poste, il n'y avait que de la fumée, il ne pouvait plus avoir accès à son poste, à la machine. Et donc, là, il a sonné la lame d'incendie et puis... Voilà. Et comment on est parti? Quand ça se passe comme ça, comment vous arrivez à sortir? Qui vous vient en aide? Tu as des canaux de sauvetage, et tu as le skiff et tu as la vedette. Ouais. D'accord. C'est quoi ces deux-là? Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas prendre de canaux de sauvetage puisque nos canaux de sauvetage n'ont pas de moteur. D'accord. Ah. Ils vont avec le vent. Mm-hmm. Et là, tu ne peux pas, si tu as un contre-vent, tu es obligé de rester encore dans le feu. Donc, tu désamarres, c'est-à-dire tu enlèves le fil du... Bon, la corde qui tient le skiff ou la corde qui tient le... Ce sont des bateaux à moteur. Voilà. Des petits bateaux à moteur. Des petits bateaux à moteur. Comme ce qu'on voit à l'île bleue. Et c'est dans ça qu'ils ont pu... Ils ont pu évacuer tout le monde. Il n'y a pas eu de morts. Ils sont restés là. Ils sont restés pendant des heures, toute la nuit. Ouais. Voilà, et ils ont été secourus par certains bateaux qui étaient à côté. Vous avez eu très peur, j'imagine. C'était la première fois que ça arrivait. Oui, bon, il y a plusieurs bateaux comme ça qui ont pris feu. Et... Wow. Ça, c'était au large du Gabon. Mm-hmm. Ça a pris feu pendant trois jours. C'est les trois jours jusqu'à... Wow. Que ça coule. J'aimerais intervenir un peu ce qu'il vient de dire. Ce qu'il a dit, oui. Ouais, c'est risquant. Hein. Parce que même souvent quand on est au filet, elle-même, elle n'est pas... Il y a des poissons qui sont plus en forme qu'elle. Que Yasmine? Oui, Ah bon? Sinon, ça tue, hein.
Je pense que tu... Oui. T'es méchant. Merci de moi. Mais je peux pas dire que c'est faux. Non, ça vous rigolez. Ah non, non, mais c'est clair, il y a des poissons. Et vous, vous prenez le poisson dans vos filets. Oui, mais ça tue même. Il y a deux mecs qui sont morts. Oh, comment ça? En plein... Et il veut manger le poisson, il mange l'homme. Non, 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 non. Il te tombe sur la tête. Ils sont dans le filet. La tête. Ah, le filet ne tient pas. Tu vois pas. Quand ça... Quand il vient... Au fait, il y a une machine qui tire le filet de l'eau. Oui. Qui apporte, comment dire, c'est on appelle pas. Comme la poulie, non c'est le comme une grande poulie, là. Voilà. Et puis nous sommes arrêtés comme ça, à notre place. Et après, quand ça passe dans la poulie, là, c'est nous qui plaçons maintenant le. Souvent donc le... quand ça vient comme ça et que le poisson est gros, si plus gros. Si le poisson a maillé que personne n'a vu, si le second patron n'a pas vu, et que ça passe dans la grande poulie, paf. Ça tape pas. Bien, justement, en parlant de filets, est-ce que vous avez déjà ramassé des poissons, mais à l'intérieur des filets, vous êtes tombé sur des choses un peu bizarres? Si. Genre des corps d'hommes ou bien des objets bizarres, des trucs, bon, je sais pas. Bon, comment dire, récemment, là, j'ai vu quelque chose d'un peu bizarre que je n'ai jamais vu, mais c'était pas aussi... C'était genre comme... comment je vais appeler ça? Portu. Non, non, tortues, les requins, ça c'est tous les jours. Non, c'est tous les jours. Ok, c'est quoi que tu as vu? Mais ce que j'ai vu, c'était comme, comment dire, un grand paquet de quelque chose qu'ils ont. Comme s'ils ont attaché. Ils ont attaché. Voilà. Ça, c'est pas bas, c'est corps de d'homme qui est dedans. Après, non, 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 c'était pas. C'était un peu grand, hein, comme ça. Genre comme une caisse. Et vous avez ouvert? Et je suis allé avec mon lieutenant, plus. Comment dire, le conducteur du speedboat là, et on a déchiré, on a vu qu'il y avait une poudre bizarre un peu dedans avec. C'est quoi, c'est de la drogue, non? Avec, bon, je sais pas. Hein, c'est une poudre. Ah ouais, une poudre et avec des feuilles. Aïe. D'abord là. C'est basse. C'est bizarre. En tout cas, il y a plein de choses. Mais attendez, les pirates, ça n'existe pas alors. Ah si. Si. Ben, ah ouais. On est beaucoup confronté aux pirates. Tu as déjà été confronté aux pirates? Une fois. Comment ça s'est passé? Bon, ce jour, là, je dormais avec mon chef. Et puis, à 2h du matin, le étendant est venu. Pourquoi vous sautez les pirates? Et j'étais petit, tu l'as sans bille, je suis sauté parce qu'on va au sous-sol. Il y a la marine française qui sont, ils sont armés. Donc, ils sont montés en haut. Il y a des policiers, des marins. Dans tous les navires, il y a toujours deux ou trois soldats. De la marine militaire. Parce qu'il y a la marine militaire et la marine marchande. Voilà. Eux, ils sont là souvent pour vous aider. Voilà. Okay. Et alors Donc, nous sommes partis en bas et ils étaient en haut. Et après, quand ils ont vu que les gars étaient armés, ils ont fait demi-tour. Mais c'est quoi? Ils viennent voler quoi? Le poisson, l'argent? Qu'est-ce qu'ils viennent voler? Ils viennent kidnapper du bateau. Ils prennent possession du bateau. Ils vous demandent kidnappé et ils font une demande de ration. Et puis qui va les payer dans son là? Mais l'environnement de l'amateur. Comme Pirates des Caraïbes. Voilà, justement, c'est à ça que j'ai pensé. Et j'ai posé ma question, justement. Ça arrive? Si ils ont demandé 10 milliards toujours de données. Voilà. Ah, ben oui, parce que vous restez là-bas. Et surtout qu'il y a beaucoup de nationalités dans le bateau. C'est pas tous les pays, ils vont pas risquer de perdre tout leur. Il y a les Français, il y a les Indonésiens, il y a les Malgaches, il y a nous les Ivoiriens, il y a les Sénégalais, nous sommes nombreux. D'accord. Et toi, tu dis que tu as déjà été confronté à des pirates aussi? Oui, on a été confronté comme ça à des pirates aussi. Je me rappelle sur un navire où là-bas, il y a eu même des coups de feu. Oh, waouh! Voilà. Et c'est pas facile quand vous êtes confronté à ces genres de choses-là. C'est pourquoi on demande vraiment à nos femmes et à nos entourages de prier pour vous. De vraiment prier pour nous, parce que ce n'est pas un milieu vraiment... Vous êtes tout le temps à risque. Mais est-ce qu'il y a des formations aussi pour ça? Est-ce qu'on vous prépare à d'éventuelles attaques de pirates? Si, on fait toujours des formations, des formations de secours. Parce que comme nous, on n'est pas armés, et comment s'échapper, comment où aller, comment se comporter. Celui qui doit fermer les hublots, les portes, tout ça... Chacun a son poste. Mais les pirates, quand ils viennent aussi sur un bateau. Vous devez les voir venir de loin, normalement. Ouais. Ils viennent sur un bateau. Mais vous devez les voir. Et aujourd'hui, souvent, c'est pas toujours ils viennent. Ils peuvent laisser leur bateau au moins à au moins 2 mailles, 3 mailles. Et ils viennent avec maintenant des vedettes. Des vedettes. Des hobos, voilà. D'accord. Donc, comme ça, là, vous... ils sont petits, là. Ils sont tout petits, voilà, ça, étant en mêle, en fait, beaucoup attention. Ils ont des jumelles. D'accord. Ils peuvent même faire plus de un mois, mais ils ont les bateaux, ils ont de nourriture, ils ont des jumelles qui regardent. C'est un travail aussi. Hein. Bon, donc, quand ils viennent, comme ça, ils ont un petit truc qu'ils prennent pour monter. Mais un jour, je me rappelle bien, en ce moment, mais il y a vu ça sur
sous l'ordinateur de mon chef. Où ils sont venus, mais ils n'ont pas pu attaquer. Et les militaires, ils ont tiré. C'est ça. Dans les bateaux, ils ont gâté ça. Alors, je sais que dans les airs, on a ce qu'on appelle le triangle de Bermude, où ouais. l'avion ne peut pas passer. On m'a dit que sur l'eau aussi, il y a un endroit, il y a des endroits où vous ne devez pas vous aventurer. Ou quand le bateau s'aventure, vous coulez. En navigation, on ne peut pas appeler ça le triangle de Bermude. Bon. Oui, c'est un exemple que je donne. En navigation, il y a des zones. Oui. Comme les endroits où les différents océans se touchent, okay. comme en Afrique du Sud. Okay. Parce oui. qu'en Afrique du Sud, dans la partie de l'océan Indien et la partie de l'océan Atlantique. Atlantique. Ouais. Et là-bas, tu as vraiment un courant c'est ça. Très fort. Qui c'est ce est vraiment fort. Et pour passer dans ces zones-là, il faut attendre les moments opportuns pour, pour y passer. Parce qu'il y a déjà des bateaux qui ont disparu. S'il y a eu des bateaux. Ouais. Nous, on n'a pas vécu, mais il y a eu des bateaux qui ont chaviré là-bas. Ou genre, il y a un monde dans un autre monde. C'est-à-dire voilà. que dans la mer, il y a un monde. Moi, parlant de ça, personnellement, j'ai vécu un truc. T'es quoi? J'étais pour ma première fois sur le navire qui a coulé là-même. Et dans les eaux, je voyais quelque chose de sortir. C'est quelque chose de réel, mm-hmm. pas parce qu'on est à la télé. Mm-hmm. Je voyais quelque chose qui sortait dans l'eau, lumineux, comme si c'était des fées. J'étais fées? Ouais. Mm-hmm. Je pêchais des calamars la nuit et je voyais ces choses-là sortir. Elles sortaient pour aller où? Mais pour venir vers moi. Waouh! Mm. Et moi, j'ai pris peur, j'ai fui. Okay. J'ai dit ça que à mon père. Et après, j'ai vu des poissons volants. Des poissons volants? Voilà. Wow. Mmh, et je me suis dit, c'était encore ça. Mmh. Et j'ai dit à mon père, mais j'ai vu encore des poissons qui volaient. Il m'a dit, ouais, mais c'est normal, il y a des poissons volants. Mmh. J'aimerais qu'on reste dans le côté mystique et vous demander, est-ce que vous avez déjà entendu des cris? Parce que dernièrement, j'ai vu sur TikTok une vidéo des marins qui étaient loin et ils entendaient des cris, mais on dirait comme des cris de sirène. Comme de toute façon, on délivre les gens à l'église, là. Et puis, il crie, je sens, des trucs. Est-ce que vous avez déjà entendu des cris, des choses comme ça? Moi, je sais qu'il y a des poissons qui crient. Bon, il y a des poissons, il y a des poissons qui crient, il y a des baleines, il y a des dauphins, il y a des poissons qui crient. Baleines crient? Oui. Comment elles crient? Je sais pas. Mais, les gens, sur les navires, nous sommes vraiment confrontés à un côté vraiment, vraiment spirituel. Ouais. Ah bon, hein? Spirituel. Mais quoi? Et puis, mais donc, vous vous préparez? Ouais, pour partir, ouais, bon, comme chacun, ça. Chacun se prépare à sa comme manière. Comme il peut, hein. Donc, c'est ça. Selon sa pensée. Là-bas, si tu es chrétien, comme on le dit, si tu es chrétien, fais le bien. Mm-hmm. Et si tu es animiste, fais le bien. Faut le bien. En tout cas, c'est ça, en fait. Mais, c'est une question de. Mais donc, aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez dire assurément qu'on entend souvent parler des histoires de Mami Wata? Mami Wata, on voit beaucoup de gens qui ne croient jamais en rien. Mm-hmm. C'est tous ceux qui ont fait Bang Off, ça n'existe pas. C'est chez vous en Afrique, toujours vous accusez le sorcier et vous accusez le Mami Wata. Les gens de l'église, ils exagèrent, ils voient le sorcier partout. Ouais. Vous qui êtes sur l'eau là, aujourd'hui là, est-ce que c'est, vous pensez que c'est. Par exemple, on parle d'esprit de prostitution, vous venez de dire. Vous avez parlé d'esprit de dépravation. Mm-hmm. Vous croyez en cet esprit, ça existe vraiment? Oui, ça existe. Ça existe. Ouais. Ça existe. Ça existe. Okay, c'est que ça existe parce que c'est pas forcément que. Tu vas le voir, mais à travers les baleines, quand on voit les baleines, on sait que certains, c'est qu'on sait que Mami Wata existe. Ah bon, les baleines, comment ça? Les baleines. Parce que souvent, les baleines même, comme le tissu, ils sautent comme ça. Ouais. Ils sautent fou. Vous, et il y a les poissons avec. Avec eux. Ouais. Je comprends pas. En fait, moi, pour. C'est-à-dire qu'ils sont accompagnés d'autres comme dans le roi. Les baleines sont accompagnées de poissons. Oui. Et des thons, tout. Mais c'est normal, non? Ils sont dans l'eau, non? Ils s'amusent. En fait, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais vu, mais j'ai navigué avec un grand malgache, voilà, qui lui m'a dit directement que, comment dire, dans leur pays là. Ah, je me rappelle. Voilà, t'as dit de faire attention parce que dans leur pays, la majorité des femmes qu'on trouve nous, les étrangers, elles viennent de l'eau. C'est des femmes qui viennent de l'eau. Voilà. En Madagascar là-bas, là où il aime là. Non, pas seulement en Madagascar. Il m'a dit, vous couchez. Voilà. M'a trouvé, parce que voilà. Trouver, ça, ouais, c'est une très bonne émission, vraiment. C'est pas seulement qu'à Madagascar, même aux Seychelles, ouais, dans les autres, toutes les femmes, où il y a toutes les zones et les îles où il y a des femmes, où vous naviguez, les femmes de là-bas souvent viennent de l'eau. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont peut-être faciles à avoir, parce que c'est leur truc, c'est ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, et quand tu les regardes, en tout elles cas, sont belles. Elles ont rien à voir avec les mousseaux d'ici. Là. Oh, pardon, hein. Elles sont tellement au complet que... Ah oui, bon, nous décrire, au complet, c'est quoi? Quand tu regardes là même, tu sens que c'est là. C'est pas l'homme qui l'a mis au monde. Elle vient de l'autre côté. Mais là, la couleur de peau, quelle couleur? En tout cas...
à peu près comme ça, ouais. Un peu métissé, de façon. Métissé. Et les cheveux de nos vrais cheveux très longs qui arrivent ici là. Boucle, Mami Wata. Boucle, boucle. C'est pas fait de mèche ni rien. Oui. Naturellement, là, les cheveux lisses. Et puis, elles ne se maquillent pas. Mais non, les personnes en forme, tout ça. Tendance, elles ne sont pas maquillées. Sur les îles. Et vous voyez une femme qui est belle jusqu'à fatiguer. Vous savez que c'est un esprit, vous partez vous mettre dedans encore. Mais c'est un mélange. Moi, en tout cas, dans les premiers temps, je voulais. Mais j'ai ma bicyclette. Et où est ça là encore? Ça, tu n'as pas eu de problème depuis que tu as fait quelque chose avec la fille de Madagascar, là, il n'y a pas eu. Bon, pas coupé, mais j'ai des camarades, mais je n'ai pas eu de problème. Mais Kadi, j'ai quelque chose que je remarque, que vous n'avez pas remarqué. C'est vrai qu'ils sont en train de danser, mais lui, il danse un peu. Comme les gars qui connaissent un peu la techno. Pardon, lève-toi, il y a monté quelque chose à Kadi. Lève-toi, danse un peu. Elle est en tape de main. Tain, 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 tain. Ça, c'est danse de Mami Wata. Mais oui, elle est là, mais elle est dansée qu'elle a. Est-ce qu'avec une vie comme ça, vous réussissez à avoir une relation stable sur la Terre? Une femme, des familles, des enfants. Comment vous faites? Est-ce que vos femmes tiennent le coup? Merci beaucoup, très bonne question. Ça, vraiment, c'est Dieu qui nous aide. Ouais. Vos femmes sont si, peut-être encore là si, avec elles depuis. Si tu n'as pas de femme qui est compréhensive, qui a la crainte de Dieu, qui, en tout cas, derrière toi, là, elle peut faire des choses. Ah ouais. D'accord. Mais là, jusque-là, vous êtes stable. Voilà. Beaucoup de fois, nous sommes confrontés, on a des collègues qui sont confrontés à ce genre de problème. Situation où il y a des infidélités dans le couple. Moi, j'ai vécu ça aussi, l'infidélité. Ma première mariée. Tu as eu Goumé? Je ne dis pas son nom, je ne parle pas d'elle. C'est ça. Mais je suis parti à mon retour. Elle n'était plus à moi. Elle était avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, j'ai pris quelqu'une avec qui je suis maintenant, qui me comprend. Ouais. C'est vrai, il y a des... Moment, des voilà, qui me comprend mieux, qui a son papa qui a fait le domaine. Ah, et ouais. Là, c'est bon. Pas. C'est on mieux. A quatre enfants ensemble. Ah, oh, aussi, tu es rapide. Et toi, l'air-retour, quatre en même temps. Comme ce que je viens de dire là. Sinon, avant, c'était 6 mois plein. Ouais. Mais les femmes françaises, elles ont fait pas là. Elles ne veulent pas que les maris durent trop à mer. C'est pas qu'elles ont fait, bon, nos Africains ont fait 4 mois. Les Français, ils font 2 mois à mer et puis 2 mois à la maison. Mmh. Bon, moi aussi, ce côté aussi, bon, moi, bon, j'avais une camarade, bon, c'est pas attendu. Donc, tu dis quoi? Il avait sa copine, c'est pas. Non, il a les malgaches comme il a la bicyclette. Non, il fait pas bicyclette. Ici, il fait une camarade. Il va expliquer, tu sais pas. J'avais pas une camarade, on s'est pas attendu. Pourquoi? Et bon, non, mais elle veut pas rester tranquille, donc. Comment ça? Pas dit camarade, mais quand dit camarade, il a eu des enfants. Il a eu des enfants avec elle. Moi, j'ai un enfant. Combien? J'ai 3. Ah. Bah, les enfants, elle a eu ça avec la camarade, non? Elle a la camarade, oui. Sa camarade, c'est ta camarade, comment ça va bien? Depuis, il parle là. Même quand on a parlé des malgaches, il dit qu'il a des camarades. Oui, c'est son thème. C'est son thème qui est là, là. Camarade. On a la fin de l'émission. J'ai croisé une fille comme ça qui m'a dit ouvertement que elle savait pas qu'elle était marin. Voilà, le jour qu'elle a su qu'elle était marin, elle dit, mon frère, c'est bon. C'est pas la peine. Pourquoi? Ouais. Je lui ai dit, mais... Ah, c'est honnête. Aussi. 4 mois. On a commencé un bon... Et puis, tu vas me laisser comme ça. Elle dit, non. Ce travail que tu fais là, mon papa aussi le fait. Il sait comment est-ce que ça se passe. Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce milieu aussi? Oui, ils ont dit oui au début. Elles sont frigoristes, souvent. Maintenant, je sais qu'il y a des matelots et chefs mécaniciens. Voilà. Ah, wow. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a la fin de l'émission. Chica. Ça a été une très belle émission. On a appris des choses. Et là, maintenant, on sait que Mami Wata existe. Donc, maintenant, quand Yasmine va raconter les histoires des eaux, on va croire. On a expérience. Merci. Voilà, parce qu'avant, on doutait beaucoup. On doutait de moi ici. Mais maintenant, on n'a plus de raison de douter. Même si elle dit qu'il y a des fées qui sont venues la voir, on sait que toi, tu as dit à fées. Non, Mami Wata, ça va. C'est pour cela qu'on dit femme de nuit, mari de nuit. Si, c'est ça vient de l'esprit de l'eau. Vient de l'eau. Les femmes de nuit et mari de nuit, c'est ceux qui rêvent. Moi, je peux dire. Tu rêves que tu fais l'amour avec un esprit. Peut-être parce que lui, il parle, mais on n'a pas ce marin-là qui dira qu'il n'est pas passé par cette situation-là. Voilà. Ah ouais? Voilà. Tout marin a été confronté à des sirènes de zoo, et des eaux, à des esprits. Alors, je sais que c'est pour ça que le célèbre commandant Cousteau a fait beaucoup de recherches sur la spiritualité quand il était en fonction. C'est ça. Voilà. Parce qu'il a découvert qu'il y avait un autre monde sous l'eau. Il a voulu savoir ce qui se passe. Ouais. Moi, j'y crois dur sur fer. Ouais.
Dur sur fer, oui. Oui, dur sur fer. Dur comme fer. Tellement que voilà. Tellement croire. Et puis souvent, quand je dis aux gens, oui, l'autre parle de ma... Enfin, je pose souvent des questions. Quand je vois la vie de quelqu'un, je peux savoir. Moi, je dis, mais toi, tu rêves souvent que tu fais l'amour. Ben, écoute, tout le monde rêve. Hein. Ça dépend de à qui tu as parlé, si tu as rêvé. Et toi, tu es perdu. Mais tu as un esprit. L'autre, mais ça ne me dérange pas. Oui. Mais en fait, c'est pas savoir que ce n'est pas une tête. Ce n'est pas une jolie femme. Ah, ouais. C'est un serpent noir à deux têtes. Alors, donc, c'est bon. Ton problème aussi. Est-ce que, alors à la fin de l'émission totalement, mais est-ce que vous connaissez peut-être des personnes aussi qui font des plongées? Est-ce que vous aussi, vous partez nager en mer? Non, moi, j'aime bien plonger. Si. Qui découvrent des choses? Non, pas découvrir des choses, mais... Sur les navires, on fait des plongées. Vous faites des plongées. Ouais, ah bon? Souvent, quand on est confronté à des situations, il y a le second capitaine ou le chef mécanicien qui fait des... D'accord. Vous savez, les trucs à oxygène, tout ça, est bon. En fait, sur les bateaux, c'est un quartier, voilà. C'est notre vie. On fait tout, voilà. Tout ce qu'on fait sur la terre, on fait sur l'eau. Et puis on peut aller nous-mêmes comme ça, si on décide de vous accompagner, on fait quoi? Une autorisation, une demande de... Vous pouvez aller sur le port, prendre une demande d'autorisation. Ah, moi, j'ai venu déjà. Mais je dis, il n'y a pas des incantations. Par exemple, je donne un exemple. Allons-y, on a la fin de l'émission. Je suis dans l'eau. Esprit, sors, viens, protège le navire. Parce qu'on n'a pas de problèmes. Ça existe parce que j'ai travaillé... Avant, quand j'étais à la petite pêche, les Chinois, ils ont une boisson, voilà, qu'ils ouvrent et ils font le tour du navire avec. Okay. Mais après ça, avec un cochon, la tête d'un cochon là. Okay. Après ça, c'est les grands coups. Hein. Quel grand coup? Les poissons viennent beaucoup. Les Chinois connaissent. C'est moi qui dis, hein. C'est moi qui dis. Waouh! Tu as vécu. Ben, on aimerait recevoir des Chinois sur vraiment. Ah oui! Tu ne fais pas attention, demain, c'est la maman qui entend s'asseoir. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Okay. Bonne continuation. Merci. Bon boulot. Vraiment, que Dieu vous protège. Continuez dans la prière parce qu'effectivement, c'est un autre monde. Amen. On vous soutient. On embrasse vos familles, les femmes qui sont là et qui vous soutiennent aussi. Oui. Et on encourage d'autres personnes à peut-être embrasser le même boulot que vous. Au moins, ils ont. Enfin, ces personnes-là ont vu la réalité du terrain. Merci à vous, merci beaucoup les filles, c'était très très bien. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés.